J'adresserai un remerciement très, très chaud aux Québécois qui nous assistent, qui nous ont assistés de manière extraordinaire au moment du séisme de janvier, du 12 janvier dernier, et particulièrement aux Québécois qui sont ici dans cette salle, dont beaucoup sont chevilles ouvrières des journées du livre haïtien. Merci beaucoup, Québécois. Et puis, même si le pays d'Haïti qui nous habite quand même, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, est devenu un pays de misère, de sécheresse psychologique à certains moments, par effet du séisme et de tous les sentiments confus qu'il a provoqués, malgré tout cela, je dis qu'il faut vivre. Et il faut vivre entier en assumant tout ce que nous vivons de manière à rester entier. Et puisqu'il faut mourir un jour comme tout le monde, de manière à mourir aussi entier.